I never asked for this. Ben en fait, c'est que c'est pas juste une question de ce que ça apporte au jeu, c'est étant donné que on reprend la licence Deus Ex, ben c'était au cœur de cette licence-là, c'est la notion d'avoir un FPS avec du RPG. Ce que ça fait, c'est que c'est pas uniquement d'avancer et tirer, mais aussi c'est que c'est plus qu'un FPS au sens où il y a de multiples approches. Donc on peut soit choisir combat, on peut faire de l'infiltration, on a aussi par exemple du hacking ou piratage informatique, puis des trucs, des interactions sociales, donc c'est un ensemble. If you want to make enemies, try to change something. The year is 2027. It's a time of great innovation. And technological advancement. It's also a time of chaos. And conspiracy. C'est pas un nombre précis. Ce qu'on essaie de faire, c'est les quatre piliers que j'ai nommés précédemment. On essaie de les supporter autant que possible dans le maximum de situations. Et puis, y a toujours ces quatre piliers-là qui vont être à sa disposition tout au long du jeu. Ensuite, par niveau, en fait, il n'y a pas de nombre exact. Ça peut varier. Comme dans la démo, vous avez vu, il y a un endroit où il y a 5 possibilités. Et souvent aussi, si on compte toutes les possibilités à chaque segment du niveau, ben là, ça peut devenir encore plus élevé. Là. I don't even know whose side I'm on. Breaking news. The riots continue in the streets of Detroit. Protesters rallying outside of Seraph Industries, one of the world's leaders in the controversial science of human augmentation. These people, Adam. They're like ghosts, always in the shadows, always hiding behind lies, proxy soldiers. I need you to find them. They cannot stop us. They cannot stop the future. C'est un des éléments majeurs aussi, c'est de dire ce qu'on veut, c'est avoir la possibilité de naviguer entre les divers piliers du jeu. Donc si éventuellement on fait du combat, on réussit à se cacher, les gens se calment un peu, ben on peut peut-être après reprendre une approche d'infiltration. Donc, et à l'inverse, on peut infiltrer par un endroit puis éventuellement tomber en mode combat, tirer partout, puis il n'y a pas de... Oh oui. Choice of what happened to me. How do you feel, Adam? The body may heal. The mind is not always so resilient. On a plusieurs types de conversations dans le jeu. On en voit déjà deux différentes dans la démo. Donc, par exemple, on voit quand on parle pour rentrer dans le bar, ça, c'est un des types de conversations qu'on a. On a un type de conversation un peu plus complexe où c'est vraiment d'essayer de convaincre la personne basée sur ses réactions et puis sa personnalité. Donc, on essaie de vraiment la manipuler pour avoir ce qu'on veut. Et puis, au niveau des conversations, bien, on peut discuter aussi avec tous les gens qu'on voit dans les villes. Il y a plusieurs types de conversations, comme je vous disais précédemment. Puis comment ça fonctionne, bien, c'est vraiment basé un peu aussi sur le niveau, donc ça va varier tout au long du jeu. Mais c'est toujours une possibilité pour le joueur. Corporations have more power than the government. Everyone's fighting for power. For control. Help! Please! Je ne peux pas donner trop de détails. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'il y a un système d'XP. Et puis, Adam, comme il est blessé au début, il passe très près de la mort. Quand il se fait augmenter, donc quand il reçoit ses implants cybernétiques, bien, il en reçoit vraiment beaucoup. Et puis, il reçoit des trucs aussi un peu militaires. Donc, à partir de ce moment-là, il est en mesure de toujours augmenter la capacité de ses implants cybernétiques. Et puis, avec l'XP qu'on va ramasser dans le jeu, bien, c'est possible justement d'avoir de nouvelles augmentations ou de modifier comment elles fonctionnent ou des fois de les rendre un peu plus puissantes, par exemple. Comme c'est le cas pour le piratage informatique, on peut utiliser, par exemple, de l'XP aussi pour le rendre un peu plus fort. Donc, c'est un exemple, ouais. I'll take you to hell! Police have opened fire on the crowd.
You'll never find them! I'll never stop looking.